printemps 1948, le rideau de fer est tombé sur l'Europe comme Churchill l'avait prophétiquement entrevu dès 1946. Le sentiment dominant est désormais que les Soviétiques sont devenus les maîtres absolus à l'Est. Or, ce sentiment ne durera que quelques petites semaines, car à peine consommé, le triomphe de Staline se mue en catastrophe politique sans précédent. Le rideau se déchire d'un coup. Tito, le chef charismatique de la révolution yougoslave, en quelque sorte le fils aîné de Staline, le dirigeant est-européen envers lequel l'Union soviétique prenait le plus d'égard. Tito, donc, annonce publiquement la rupture de son parti et de son pays avec Moscou. Dès la fin du mois de mars, les polémiques sont publiques et la rupture est totale. La Yougoslavie est exclue du Cominform, la nouvelle internationale communiste créée par Staline un an plus tôt. Désormais, d'alliés privilégiés, la Yougoslavie est devenue ennemi principal et vit dans la hantise d'une invasion de l'armée rouge. Ce coup de Belgrade, qui annule et bien au-delà l'euphorie du coup de Prague, représente pour l'Union soviétique une défaite exemplaire qui, d'un coup, délégitime tout le système de gouvernement de Staline. C'est le Parti communiste de Yougoslavie lui-même qui met tout bonnement les Russes à la porte et se déclare prêt à faire cavalier seul, sans pour autant renoncer ni à sa dictature, ni à ses buts socialistes. Le schisme yougoslave représente bel et bien le tournant fondamental de l'histoire du communisme. En 1948, la surprise n'est pas moins grande à l'Est qu'à l'Ouest, où l'on voyait Tito comme l'un des adversaires les plus coriaces et les plus durs sur le plan idéologique. Or, c'est cet homme, et lui seul, qui a assumé pendant l'hiver 1948 cette extraordinaire responsabilité de rompre. Quel est donc ce diable d'homme qui ose ainsi défier le chef tout-puissant d'un mouvement communiste alors à son apogée planétaire? Né en 1892 en Slavonie, près de Zagreb, d'un père croate et d'une mère slovène, Tito a toutes les cartes en règle. C'est un ouvrier authentique qui a été garçon de café en Croatie, métallourg à Munich et à Vienne. C'est un vieux bolchevique qui a rejoint l'armée rouge comme volontaire à Omsk, en Sibérie, en 1918. Membre initialement du Parti communiste soviétique, il est revenu au pays comme agent clandestin de l'Internationale communiste. C'est un stalinien sans tache qui a toujours suivi la ligne de Moscou. C'est d'ailleurs Staline lui-même qui a fini par le nommer secrétaire général du parti en 1938. C'est surtout un héros véritable, organisateur sans peur et sans reproche d'un mouvement de résistance anti-nazi dès le printemps 1941, inventeur d'un mode original de lutte armée qui rappelle la longue marche de Mao, et mieux que tout, c'est un vrai vainqueur. N'a-t-il pas libéré à peu près tout seul la moitié des Balkans? La dignité de maréchal de Yougoslavie, qui le met au même rang qu'un maréchal de l'Union soviétique, est venue couronner son extraordinaire aventure. Dès 1945, Tito et le communisme yougoslave se retrouvent donc dans une position tout à fait exceptionnelle. La révolution des partisans est le seul authentique bouleversement social qui se déroule à l'Est. Au-delà, Tito espère fédérer à la Yougoslavie l'Albanie indépendante qu'il contrôle et à laquelle il a promis de rattacher en échange l'essentiel de la plaine du Kosovo, et la Bulgarie, où règne son bon maître et protecteur de Moscou, Georges Dimitrov, en attendant que les communistes grecs n'y rattachent tout ou partie de la Grèce. Sans perdre de temps en simagrée semi-démocratique, les communistes yougoslaves, à la différence de leurs collègues d'Europe de l'Est, sautent les étapes intermédiaires. Ils collectivisent d'emblée les terres et instaurent presque tout de suite le parti unique. Bref, la Yougoslavie de Tito est pour Staline le fleuron du nouveau système communiste. Les communistes yougoslaves sont aussi exhibés par Staline en tant que garant d'une ligne révolutionnaire radicale possible en cas d'affrontement généralisé avec l'Occident. Mais derrière ce roman réaliste socialiste, n'y a-t-il pas pour autant des failles qui s'annoncent entre Belgrade et Moscou dès cette époque? Quelles erreurs, quelles maladresses ont-elles été commises qui ont préparé le coup de tonnerre de 1948? Il y a en réalité un empilement de trois erreurs successives qui, comme autant de péchés anciens, étendent leur ombre sur les rapports soviéto-yougoslaves. Tout d'abord, il demeure, chez les cadres les mieux formés et les plus anciens, les contentieux de l'avant-guerre. Depuis sa fondation en 1918, Moscou a constamment changé de position sur l'existence même de la Yougoslavie. Et les dirigeants communistes successifs ont fait les frais parfois sanglants de ces retournements. Si les militants de la base ignorent superbement ces sombres histoires, les dirigeants
ont acquis ainsi dans leur rapport avec Staline et les Russes un cynisme à toute épreuve et un grand scepticisme envers la sagesse providentielle des camarades de l'Est. Ces traits absolument originaux sont aggravés par la nouvelle valse-hésitation de l'après-guerre. Dans l'Union soviétique de 1945, en effet, une lutte, pas toujours feutrée, oppose le patron de Leningrad, Andrei Jdanov, véritable dauphin désigné de Staline, aux pragmatiques que sont Grigori Malenkov et Lavrenti Beria, le chef des services secrets. Cette lutte se prolonge en Yougoslavie, puisque Jdanov a voulu faire de Tito le modèle accompli de la ligne révolutionnaire et nationaliste panslave qu'il défend en Union soviétique et dans le mouvement communiste. Symétriquement, Beria constitue des réseaux de mécontents du pouvoir titiste, en Yougoslavie même, et dans l'Albanie et la Bulgarie voisines. En 1947, les Yougoslaves, par la voix d'Edward Kardeli, le second de Tito, se font les procureurs du réformisme parlementaire des communistes français et italiens et les avocats enflammés d'une reconstitution à peine déguisée de la centralisation communiste du Comintern autour de Moscou. Mais en s'engageant de la sorte derrière Jdanov et sa stratégie de confrontation, Tito assume un gros risque. Lors de son voyage apparemment triomphal en Union soviétique à l'automne 1947, son allié Jdanov lui a organisé une réception exceptionnelle à Leningrad. Mais à Moscou, avec Molotov et Staline, le ton était déjà beaucoup plus réservé, créant ainsi crainte et méfiance chez Tito, qui connaît les retournements imprévus du patron. C'est alors que se produit l'élément déclencheur. L'Union soviétique, qui vit une quasi-famine en Ukraine et s'apprête à un affrontement dramatique avec l'Occident, exige subitement, au début de 1948, une intensification des livraisons de produits agricoles et même industriels de tous ses satellites d'Europe de l'Est. Partout, les cadres locaux font grise mine, mais Tito est le seul à refuser tout net. Ce refus entraîne presque immédiatement le divorce avec Moscou. On ne discute pas un ordre du camarade Staline. Comment Tito, en effet, a-t-il pu assumer un tel risque, faire preuve d'une telle audace face à une Union soviétique apparemment toute puissante? Il n'y a en réalité aucune improvisation dans le geste de Tito. Celui-ci avait prévu et donc préparé la rupture. Vieux bolchévique rompu au décryptage des intrigues du Kremlin, Tito a bien connu le climat des grandes purges de 1937-38 à Moscou et il se considère depuis lors comme un miraculé. Il a compris, après l'échec des offensives des communistes occidentaux en France et en Italie et celui de l'armée rouge dans le blocus de Berlin-Ouest dès la fin de l'année 1947, que la ligne dite communiformiste de Jdanov était remise en cause. Il en a déduit que Beria avait repris l'initiative à Moscou et le serrait de plus en plus près dans les Balkans en liguant contre lui tous ses ennemis locaux et bientôt ses propres amis. En stalinien roué et habile, Tito défendra chèrement sa peau. Il sait que la plupart des dirigeants de son parti le suivront, entre autres parce que Staline les éliminera s'il le peut à leur tour. Ils ont été trop proches de Tito pour croire en sa mansuétude. Quant aux quelques milliers de militants de base qui demeureront fidèles au Kremlin, on les appellera les communformistes, il a les moyens, avec sa propre police politique, de les mettre hors d'état de nuire. Tito a en outre un second atout dans sa manche, qui se nomme tout simplement Winston Churchill. Le premier ministre britannique, en effet, a lâché totalement les monarchistes serbes après 1943 pour lui faire confiance et lui abandonner les Balkans slaves en échange des mains libres en Grèce. Cette tractation s'est accompagnée d'une vraie coopération anglo-yougoslave, symbolisée par l'envoi d'une mission militaire britannique comprenant le propre fils du Premier ministre, Randolph Churchill. En août 1944, enfin, Churchill rencontrera personnellement Tito en Italie. Hormis Staline, aucun autre chef communiste n'aura bénéficié d'un tel honneur. Fort de ces deux cartes maîtresses, un parti communiste puissant et dévoué à sa personne, dirigé par des anti-staliniens latents, des liens personnels tout à fait insolites avec l'Occident, Tito, en voyou doublé d'un stratège militaire hors pair, tente alors un coup d'audace quasi napoléonien, rompre les amarres avec Moscou sans attendre sa propre liquidation. Quelle va être la réaction soviétique face à un tel coup? L'audace est payante. Enlisé à Berlin-Est, craignant une insurrection en Pologne, intimidé par une possible garantie nucléaire américaine à la Yougoslavie, inquiet enfin de la pugnacité des partisans yougoslaves et de l'impopularité d'une guerre civile communiste au cœur des Balkans, Staline renonce pour le moment à toute intervention.
Il se contente, pour commencer, par organiser un contre-putsch anti-Tito en Albanie au profit d'Enver Hoxha. Par la suite, il cherchera à faire assassiner Tito à maintes reprises et les démocraties populaires seront priées d'organiser la subversion sur les frontières de la Yougoslavie. En vain. Le peuple tout entier, serbe et croate unis comme jamais plus ils ne le seront, tient à son indépendance. Tous les ennemis directs ou indirects de Tito dans le mouvement communiste sont alors cruellement éliminés. Jdanov, disgracié, meurt pendant l'été 1948 et ses partisans à Leningrad seront tous liquidés par Beria et Malenkov en 1949-50. Une campagne mondiale contre le maréchal des traîtres, présenté comme un espion fasciste à la solde de Churchill et de Roosevelt depuis fort longtemps, est organisée à l'échelle du mouvement communiste tout entier. Pourtant, rien n'y fait. Tito a démontré qu'un mouvement révolutionnaire indépendant pouvait subsister non seulement sans, mais contre Moscou. La dictature communiste yougoslave, grâce à une certaine tolérance politique intérieure, survit parfaitement avec une protection tacite de l'OTAN. Après cette victoire insensée, le pouvoir stalinien ne sera plus jamais le même. Il entre dès ce moment dans la voie d'un déclin irréversible.